Ok, donc c'est le début de notre épisode. J'étais en train de vouloir en fait farmer des invitations pour la cour et il s'est passé ça. Alors avant, il y a le ah mince, comment ça s'appelle? L'ancien là qui nous explique par rapport à des choses. Le fanatique apparemment chasse les vampires et tout ça et il serait en fait dans ma mission. Donc voilà, du coup j'ai quitté. Et donc j'ai commencé à enregistrer et maintenant on est là. Donc on est au tout début de la mission. Mais voilà, je voulais vous montrer que même en fait, l'introduction en fait change. Genre le fond d'écran de l'introduction change. À mesure que le bûcher sacrificiel est endommagé, la rage folle du fanatique se décuple. Wow, super. You are not alone in this place. The fanatic is on the prowl, and he smells your sickness. Ok. Donc c'est ça, on doit activer trois sanctuaires bestiales. On a deux vampires avec nous. Donc on va voir un peu comment ça va se passer. Donc c'est mon équipe, je voulais en fait monter du coup l'abomination. Donc je sais pas trop ce qui va se passer. Ouais, on y va quoi. Je me demande si on devrait pas se reposer directement. Watch your step. Car j'ai peur qu'il soit un peu partout en fait. Ok, là on a des bandits. On va faire ça. Je sais plus si je leur ai mis des choses par rapport à la lumière. Oui, toi t'as une cape solaire. Ok, très bien. Et c'est la première fois que je vois ça. Je l'ai jamais vu encore, du coup, le fanatique. Donc, j'espère que mon équipe va survivre. Si le fanatique rate souvent, c'est bien, j'imagine. Mais ouais, j'ai un peu peur. Ah, oh, bien, 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 bien. Vraiment bien. Ah. Et je crois qu'on m'avait expliqué que plus vous avez de personnes en fait qui sont vampires, et plus vous avez de chances que le fanatique en fait soit là. Donc on va voir. Après l'équipe est potable, mais on n'a pas vraiment de soins, donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Is broken. Très bien. Maintain the offensive. Oh, si on se repose, en plus on a personne pour nous. Pour éviter d'être attaqué la nuit, j'avais pas pensé à ça. Aïe aïe aïe. J'avais pas du tout pensé à ça. Waouh, 65% et le mec il résiste le stun comme pas possible quoi. The wounds of war can be healed, but never hidden. Très bien. Après, je pense que les buffs valent vraiment le coup, hein, même si on a un... Oh putain, on est déjà... Quoi qu'on est dans une salle. Il y a une salle secrète en plus. Oh là là, oh là là. Ok, objectif de quête. Objectif de quête, salle secrète. Ok. Objectif de quête. Donc on a tous les objectifs de quête ici. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. On va se reposer. Huddled together,
furtive and vulnerable. Mais ouais, on n'a pas de... Mince, ça j'avais pas pensé du coup. En fait c'était pas prêt du tout, hein. C'était que je fasse ça, que j'enregistre et tout. Ça va être un peu la merde. Lui il peut pas nous aider, hein. Non, il peut pas nous aider. Qu'est-ce qu'on a après? Protection et dégâts sur lui. Précision et vitesse. Ouais, protection et dégâts à la limite. Très bien. Garde ton équipement en bon état et il ne te lâchera pas. Allez, on va se faire attaquer. Voilà. Terrors may indeed stalk these shadows, but yonder, a glint of gold. Ça. Je peux pas vraiment te buffer en esquive. J'espère que ce sera suffisant. Oh, plus 20 direct. Ça va. Avec les cris derrière, c'est le fun. J'arrive même pas à entendre la musique, quoi. Avec ce bordel. Très bien. Joli, joli, joli. Après, je me demande si le fanatique, il peut être dans n'importe quelle salle, ou alors il peut être dans un couloir. Genre, comment ça fonctionne, en fait? Je sais pas du tout comment ça fonctionne. 5, 5, bah on a gagné, on est bon. On va soigner soigner Wood. Press this advantage. Give them no quarter. Ou pas. Oh là là, tous les objets. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. OK, objectif de quête. Non. Tu veux cartographe, chambre de repérage dans la tanière, ok, ça marche. S'il faut, on va pas le trouver, hein, le mec, hein, le fanatique, là. Mais dans un sens, maintenant, je suis un peu curieux. Donc j'ai bien envie de me balader pour le trouver. Parce que ça m'intéresse, c'est la première fois que je l'ai. Techniquement, on a une bonne équipe. Hein. Enfin, je crois. À moins que le fanatique, on puisse pas l'empoisonner. L'infecter. Ah, j'avoue que si on peut pas l'infecter, oui, on est dans la merde. Eradicated.
Du coup, je suis en train de vous montrer un run un peu normal pour le moment. C'est pas super intéressant. Là, un objectif de quête. Joli. La fureur du désespoir. Par contre, je voudrais bien qu'on le rencontre avant que nos buffs partent, parce que sinon on va être dans la merde. Il y a ça aussi, on est extrêmement puissant maintenant. Enfin, on va dire que ça se passe très bien. Parce que... on est boosté, quoi. Très bien, moins d'infection. Enfin, moins de résistance à l'infection. Mon royaume pour le fluide pourpre. Masterfully executed. Joli. Très bien. Ah, c'est sûr que là, l'infection, ça va vite, hein. C'est bon. Donc techniquement on a une bonne puissance en fait. C'est ça qui est marrant. Ça. Le tueur a été anéanti, très bien. Donc. Ouais, j'ai bien envie d'aller dans cette salle moi. Alors, on va faire la salle secrète après. Oh! Oh, une invite. Une invite. Ok, t'es passé en deux, très bien. Oh non, sans déconner quoi, putain. Bien. C'est bon, on a l'invite. Ok, maintenant on se booste en esquive parce qu'on est un peu en retard. Donc ça va, elle a déjà joué. Très bien. Gently. This is how a life is taken. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont chiants. Je vais me ranger du côté des du fanatique, moi. Il a un bon critique, hein. Il a un bon critique, ça fait plaisir. Oh là là, c'est bon, on peut jouer, merci. Est-ce que je peux le 94% 25% de crit?
Pas mal. Très bien. Ouais, je lui ai mis les écrasés. La plupart du temps, je le mets jamais. Mais c'est vrai que ça rajoute un peu des dégâts quand même. C'est pas mal. En fait, nos soins, ils sont tellement petits que... Au final, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement genre de la survie. C'est-à-dire que si on est à 0 HP, on va pouvoir s'en sortir parce qu'on a pas mal de soins, en fait. Genre les 3 peuvent se soigner, par exemple. Mais ça va jamais être de gros soins, quoi. Donc, ouais. Ça c'est quoi ça? Ah oui, c'est un boost de dégâts, je crois. Ouais. Ça peut être pas mal. In Radiance, may we find victory. Ah. C'est pas lui, et je crois qu'on a... Bah c'est le dernier combat, je pense. C'est embêtant ça. Très bien. Ah, le coup des doubles antiquaires, honnêtement, ça... Ça aide tellement. Oh là là, t'es sérieux? La distance? Chier. C'est tellement bien en fait de combattre des taille 2 avec une abomination, parce que les abominations vont toujours à l'avant ou à l'arrière. Mais elles sont taille 2, donc du coup elles vont toujours se faire toucher par l'abomination parce qu'ils tapent en 2 et en 3. Donc ça aussi c'est vraiment un gros atout de l'abomination. Non, il peut pas esquiver. Il peut tout simplement pas esquiver l'infection. Après, il faut qu'elle fonctionne, parce que bon, hein, des fois, ça veut pas, mais... par contre, toi, faut qu'on te fasse quelque chose, que toi, t'es relou. Oh la putain. T'as combien d'HP? 8, 14. Ah, très bien. Ah, ça va faire mal. Non, ça va. Bah, il nous a touché, mais c'est pas tout le monde au moins. Et aussi, vu que c'est des deux, il peut toujours la faire, même s'il reste plus qu'une cible. Parce que s'il y a plus qu'une cible, du coup, c'est en 1, quoi. En position 1, mais là il prend 1 et 2, donc du coup oui, il peut toujours se faire cracher dessus. C'est marrant, l'abomination est marrante. Très bien. Oh là, tous ces objets. Incroyable. Incroyable.
c'est où le la mission? Objectif de quête. L'objectif de quête, donc celle-là. Nickel. Ça, il faut un bandage. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Très bien. Un peu chier, 500. Oh, on l'a trouvé. Oh, on l'a trouvé, on n'a pas les bonus quoi. Marque les corrompus. Oh, tu la marques parce qu'elle est 173, 244. T'as 120 d'infection, putain. Oh là là, ok. Ah, on va avoir des problèmes pour ça. Ok, on est bon. Enfin, on est bon. Hein? Vite fait, quoi. Oh là là, sentence rendue. Ça veut dire quoi, ça? Oh non. Non, et elle peut. Ok. Dis-moi, ça va mal se passer. Si on peut baisser ta résistance, ça serait vraiment bien. Oh là là, j'avais pas vu derrière. Tous les bûchers. Oh là là. C'est incroyable. The match is struck. A blazing star is born. Maintenant on est dans la merde. Je peux pas me buffer en fait. Ok, très bien. Ah, il me brûle jusqu'à l'âme, ouais bah. Pieux sacré, oh là là. Oh putain, ah c'est le fun. Peut stun. Ouais, en théorie on peut stun. Très bien. C'est pas le moment de louper, hein. Très bien, très bien, très bien. Frapper l'hérétique. Ok, si on peut esquiver à 100%, honnêtement, ça va. Marque, ok. Alors, toi aussi prends-toi ça. On est à 30-40%, on est bon. Alors, toi aussi prends-toi ça. Faut vraiment que le malus passe en fait. C'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Ah, très bien quoi. Merde. Chier.
J'ai l'impression qu'il frappe un peu aléatoirement, j'en sais rien en fait. Super. Alors attends, là on est à combien? On est en esquive 30. Esquive 30. Ouais, on va faire esquive encore. Faut que le malus y passe, bordel de merde. 75% de malus, quoi. Esquive, très bien. C'est pas si, si énorme, hein. Après, il y a les antiquaires qui peuvent aider, hein, je suis d'accord, hein, mais les antiquaires, elles ont un peu un boulot, là. Hein. C'est de booster l'esquive. Oh, yes, très bien. Aïe, aïe. Ok, ça va, si c'est les deux, ça va. Ouais, on va devoir booster l'esquive encore. Parce qu'en fait, elles ont été décalées. Et du coup, j'arrive pas à booster à 40, j'ai l'impression, non? Enfin, de toute façon, le malus, il reste pas assez longtemps. Pour que... Enfin, à la limite, là, maintenant, il pourrait peut-être rester, le malus. Mais c'est pas dit que ça passe, hein. Ah, mais on va continuer à faire de l'esquive. Yes, très bien. Esquive 40, esquive 30, esquive 50. Alors là, peut-être que ça peut passer. Vas-y, on tente. Ok, bien, 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 bien. Il a 51 d'infection, c'est très bien. Toi, tu vas continuer à ouais, non, on va faire que ça. Hein, avec lui. Comme ça, il se remet la marque. C'est surtout la marque, en fait, parce que la marque, elle reste pas longtemps. Sentence rendue. Esquive, très bien. Je crois que là, il faudra en profiter, en fait, pour l'infecter au maximum. Vas-y, vas-y, vas-y. Infection, malus, très bien. Très bien. Et maintenant, toi... Vas-y. Et ta mère 4 fois. C'est bien. On repart en esquive. Très bien. Ouais, on repart en esquive. Non, très bien. Arrête d'esquiver le coup de bouclier, ça rend fou par contre. Très bien. Ok. Parce que ce qui est bien avec, avec Wood, c'est qu'il a beaucoup d'esquive en fait de base. Ok, très bien. Alors là, on est à 30, 30. Parce que là, on a l'infection, on a la résistance à l'infection qui est descendue, donc autant en profiter.
Ok, super. Très bien. Ok, 9, c'est pas mal. Très bien. Toujours la riposte. Aïe. Et ta maman. Oula. Esquive, très bien. Ouais, là on a plus l'esquive. On va recommencer à booster l'esquive. Ça va aller. Vas-y. Oh la vache, arrête d'esquiver, bordel. Putain de merde, ça me rend fou quoi. 90%. Oh, loupe pas. Yes. Ouf. Bravo. Accusation zélée. C'est normal qu'on a tout ça là. Sans déconner quoi. Le remède, ses origines et ingrédients sont inconnus, mais cette teinture dissipera la malédiction. Sérieux? Très rare. On s'en fout de ça. C'est un peu nul. Objectif de quête. Objectif de quête. Mais si je le prends avec moi, je peux pas l'avoir à... Je peux pas l'avoir chez nous, en fait. Ah, attends, on en a deux. Ça veut dire que c'est pour eux? Ok, là ça a du sens en fait. D'accord. Ah, il me faut des clés pour le coffre. J'avais oublié. Bon, par contre, ça je m'en fous un peu en fait. Ça c'est 1000. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? J'en sais rien. Ouais, allez, à la limite, on va faire ça à la place. On a. Une seconde, il faut que je réfléchisse. Enfin, à la limite, on n'a plus besoin du sang. Les pelles, en théorie, j'en ai pas besoin. Parce qu'on va pas continuer. Donc, ouais, on peut faire ça en fait. Garder le sang quand même. Mais bon, comme j'ai dit, on n'a pas vraiment besoin. J'arrête pas de faire des allers-retours. D'accord, donc c'est sympathique. Bon, bah on l'a combattu, on a gagné. Je pensais qu'on allait avoir des cadeaux, quoi. Des objets, des babioles spéciales. Uniques pour lui, mais apparemment non. J'avoue que je suis un peu déçu de ça. Ah mais je vais pas avoir la place, merde, mais quel con. On fait ça. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on quitte? Parce que là, c'est un peu chaud, non? Vu ce qui reste. Je sais pas, moi je trouve que c'est un peu chaud. J'ai
J'ai pas beaucoup de vie en fait, c'est ça le problème. Je peux passer. Non, ça il fallait, il faut de la de l'eau bénite. Je peux aller déjà faire ça, comme ça ça en fera un de fait. Là ça c'est pour bien joué. Évidemment. Est-ce qu'on a un risque d'avoir spirits are lifted and purpose is made clear. Attends. Hop. Très bien. On est proche de la fin en fait. Donc dans un sens ah mais c'est bon, on n'a pas besoin de combattre en fait. Non non, on est bon. Enfin, je peux essayer de faire un ça mais on va pas le faire. Ah, on n'a pas besoin de combattre parce qu'on va s'arrêter juste avant le combat en fait. Nickel. Parfait. Et on part. Parfait. Succès déverrouillé, gardien, drôle de tandem. J'ai eu un truc quand j'ai tué le mec aussi. 23k qui est vraiment bien pour un truc fait à la va-vite. 50, 48, c'est pas mal. La peste noire, super. Calme. Bon, bah, c'était intéressant. C'est la première fois qu'on voit le fanatique, du coup. Mais je suis un peu déçu, on gagne rien. Air frais dans les tunnels. Ouais, alors j'ai fait. Alors j'ai rendu endurance permanent pour lui. Molasse, on l'a viré. Ok, ok. Quoi ? Entrer dans le sénateur avec sa folie, en sortir avec une nouvelle. Valence a obtenu l'attribut malédiction pourpre. Oui, j'en ai contaminé deux. C'était pas vraiment voulu, mais. Mais voilà, quoi. C'est fait. C'est fait, c'est fait. Ok, donc ici on a dégâts et détermination. On a. Bon, toi, il faut t'enlever la peste noire. Donc c'est bien, j'en ai décontaminé. Enfin, j'en ai. Il y en a deux que j'ai enlevé la malédiction. Et après, deux autres ont été contaminés, c'est bien. Mais ouais, on a eu ça et ça. Bah c'était intéressant. C'était intéressant de le combattre. Je vais voir si on peut pas gagner des choses un peu spéciales avec, avec lui. Mais apparemment, non. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah ça a bien marché, cette équipe. Ça a bien marché. Bon, comme d'habitude, hein, les reines hein, de l'antiquaire. Les reines antiquaires. Par contre, oui, il y a une bonne fonction avec ce groupe en fait, parce que là nous avons donc résistance à l'infection moins 36% si ça passe, parce que si l'infection en fait a une grande résistance, et du coup il est passé 6, oui il est passé 6, très bien, ouais je lui avais mis expérience de détermination en plus, donc si on a une grande résistance à l'infection, en plus je suis vraiment mal tombé parce qu'il fallait vraiment du saignement contre le mec, on peut quand même passer le malus qui va baisser la résistance. Et lui, il baisse aussi la résistance, 33%. Donc, ouais, il y a une bonne entente entre les deux types, là. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est vraiment cool. Et Woodville, qui a très très bien marché. En plus, lui, il avait dégâts plus 20% de la ville, là, parce qu'il s'était flagellé, il était devenu un peu fou. Donc du coup ça a vraiment bien marché. Ah je suis content, c'est super bien marché. Bon bah ça sera la première partie de notre épisode. On continuera la prochaine fois. Enfin non, on va continuer, moi je vais couper. Je vais encore farmer quelques invites.
Et je vais peut-être baisser le stress de lui, comme ça on peut peut-être le récupérer et l'utiliser pour aller combattre les vampires. Et moi je vais un peu me renseigner sur le fanatique, là, s'il y a autre chose à récupérer. Et si on peut avoir les potions en fait, mais ça m'étonnerait. Je pense que les potions elles sont données juste pour soigner ceux qui ont combattu le fanatique. À tout de suite. Burn out this evil. Decisive pummeling. Adversity can foster hope and resilience. To a killing blow. The slow death, unforeseen, unforgiving. Slowly, gently, this is how a life is taken. Thank you.
injury and despondence set the stage for heroism or cowardice. Death waits for the slightest lapse in concentration. Of skill and purpose. As life ebbs, terrible vistas of emptiness reveal themselves. Is struck. A blazing star is born. Cannot learn a thing you think you know. On est de retour en ville. Je pense que vous avez vu le combat. Normalement, je l'aurais mis, mais j'avais pas de commentaire à faire en fait, parce que je pouvais pas à ce moment-là. Mais je l'ai enregistré, donc on a combattu la grosse bestiole de ténèbres, horreur, machin. Et on a eu un nouvel objet de l'ancien qui est quelque part. C'était quoi? C'est un objet. Par contre, c'est un objet pas mal. Il est où? Tu te fous de moi, le jeu? Et là. Pourquoi il se met là? Ah, voilà, ok. Donc le parchemin de l'ancêtre, compétence de soins 25%, compétence de stress 25% et stress plus 10%. Honnêtement, c'est pas si mal, on a 30, nous on a souvent utilisé ça, genre 30% et stress 20%. Bon, le stress c'est sur nous. Soin 20, là on a 25, donc on perd 5. C'est pas, je sais pas si ça... est-ce que 5% ça fait 1 de vie en fait? Est-ce que c'est suffisant pour faire 1 de vie en plus ou en moins? Je sais pas. Mais en tout cas, là, ça fait que stress plus 10%. Donc, c'est vraiment pas mal. Et il y a péré les compétences de stress. À la limite, c'est bien pour ceux qui fait du soin et du qui déstresse en même temps. Ça serait plutôt genre le croisé, des trucs comme ça. Où ils peuvent soigner et déstresser en même temps. J'imagine, mais bon, c'est pas vraiment très utile. Moi, je le vois surtout pour les compétences de soins, en fait. Donc, je pense que le parchemin, je vais commencer un peu à l'utiliser. Après, pour les Vestales, on a un truc pas mal, mais ça baisse leur stun, je crois. Je me rappelle plus, c'est ça.
Ouais, 33%, ce qui est très très bon, mais non, ouais, ça baisse leurs dégâts. Ça change d'infliger un étourdissement, voilà, moins 10%. Donc honnêtement, 10% c'est quand même un... Enfin, on s'en fout en fait. N'importe quel pourcentage de chance en moins d'étourdir, honnêtement, c'est un problème. Parce que étourdir, ça peut sauver un run. Hein, ça peut complètement sauver un run. Donc ouais, je préfère ne vraiment pas utiliser du tout de choses qui baissent les chances d'étourdir. Et bon, les dégâts en moins, même sur un Vestal, faut avouer que ça pose problème. Hein, ça pose vraiment problème. Donc ouais, on va peut-être utiliser ça de temps en temps. Donc ouais, oui, comme j'ai dit, hein, j'ai pas pu parler en fait sur le pendant le combat et tout ça, mais je leur ai mis. C'est plutôt bien passé. L'équipe était, bah, comme j'ai dit, hein, c'est l'équipe double antiquaire comme d'habitude. J'ai eu de la chance. En fait, je me suis lancé dans le combat parce que je voyais que j'avais du saignement et tout ça qui était prêt avec. Je crois que j'ai utilisé le maître chien, je me rappelle plus maintenant. Oui, je crois que c'est le maître chien. Le nouveau maître chien, celui-là que j'essaye d'augmenter. J'en ai trouvé un autre, je crois qu'on l'avait trouvé ensemble, je sais plus si je l'avais montré en vidéo. Mais il y en a un autre aussi que j'essaye d'augmenter maintenant. Il est niveau 4, je crois. Ouais, il était 3. Maintenant il est 4, parce que lui il a plein de choses très très bonnes en fait. Tiens, on pourrait lui augmenter des choses. Il y a la vitesse qui est intéressante, mais la précision avec la distance, ça peut être aussi intéressant. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Oui, la distance, pourquoi pas. Tiens, on va en profiter. Tiens. Oui, comme ça, on n'a pas besoin de lui mettre en fait de la précision nous-mêmes. Parce que plus de vitesse, ça va pas vraiment nous aider plus que ça. Il en a déjà, il a déjà des dégâts, donc de la précision en plus, tout simplement. Et on va lui enlever ça. Très bien. Voilà, maintenant que j'y pense. En tout cas, nous avons un oiseau à aller manger. Donc le hurleur est de retour. Donc j'ai déjà fait mon équipe. Ah, donc on va faire ça. Du coup, je crois que l'épisode, en fait, ça va être sûrement le dernier combat pour l'épisode. Je savais pas trop quoi utiliser, honnêtement. J'avais envie d'utiliser une autre équipe parce que vous vous rappelez que les attributs en fait du hurleur peuvent être vachement intéressantes. Donc je me suis dit, on va prendre des nouveaux persos qui n'ont pas d'habilité de, enfin, d'attribut de hurleur. Je crois qu'il y en a qu'une seule qui a eu une bonne habilité, c'est celle qui tire là. Ben, je crois que c'est Vaughan. Vaughan, elle a eu la grâce de corvidé, ce qui est pas mal, donc on l'a verrouillé. Donc si je pouvais avoir un truc sympa sur eux, ce serait cool. Donc on va prendre Druel, qui est très bon en général. Hein. On va prendre aussi Runeville, qui va nous permettre de... Bah, je sais pas trop, faire des dégâts et avoir un soin juste au cas où. Honnêtement, c'est plus ça. Bien sûr, Wissant pour le saignement et l'attaque. Et après, pour augmenter donc les critiques et la précision, on a Thomas. Donc ça devrait bien se passer. Voilà. De toute façon, ça va être du burst surtout. Là, on va baisser la résistance au saignement parce que quand j'avais combattu, on a vu qu'il a beaucoup de résistance à l'infection. Donc ça, c'est pas intéressant pour nous. Mais là, on va baisser, mais pas beaucoup. Enfin, au saignement, je crois qu'il est quand même à 80%, un truc comme ça. Donc là, on va le baisser. Là, on va pouvoir le stun. En plus, ça fait 1, 2, 3. Le debuff, si jamais. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on ait besoin. Et faire des dégâts en général et avoir un soin. Et bien sûr, faire encore plus de saignement. Et même lui, il peut faire plus de saignement. Ah, quoique. Faudrait le mettre comme ça, du coup. Ah, bah tiens, j'ai bien fait de. Ouais, j'ai bien fait de regarder. Oui, lui, il faut le mettre en 3. Ouais, en 3, très bien. Donc ouais, go. Et oui, on a un nouvel objet aussi à gagner. Bah, je le montrerai après. Ah oui, on a de la nourriture maintenant gratuite. Oui. On a ça parce que j'ai fait le bâtiment. J'ai fait la grange. Donc plus de soins quand on mange. Donc je crois que de base c'est 2, donc on doit sûrement récupérer 3. De la nourriture est accordée gratuitement chaque semaine. Donc ça c'est cool aussi. Donc on perd à moins de nourriture, donc ça c'est vraiment vraiment sympa. Et en plus c'est de la nourriture en plus quand on enlève le stack, parce que normalement c'est 18. Et là on a 9 de bonus en fait, ça c'est vachement bien. Mais on n'a pas besoin de nourriture, si... non? On n'a pas besoin de nourriture. 4... Je sais plus s'il fait du saignement, je crois pas. Hein. Je crois pas qu'il fasse du saignement. Ah oui, mais on a besoin du saignement si lui se...
il se saigne lui-même. On peut enlever ça aussi. Les torches, on n'a pas besoin. Le sang, c'est pour lui surtout. Mais 4, honnêtement, c'est... on va même en prendre que 3. Voire que 2. Est-ce qu'il est déjà en soif? Ouais, il est déjà en soif. On va en prendre 3. On a de l'eau bénite, tout ça, pour nous buffer. On peut enlever... Je sais plus s'il fait des malus. Je sais plus, en fait, ce qu'il fait, honnêtement. Je sais plus du tout. Je sais qu'il fait de l'horreur, je crois, et du stress. Donc, on va voir. J'espère que ça va se passer. Ça va bien se passer. Je sais qu'il... ah oui, je sais que on avait essayé le coup de marquer, en fait, et utiliser la marque contre lui, mais ça marche pas vraiment parce qu'il joue 3 fois, en fait. Donc, c'est un peu un problème. Alors, vitesse, oui. Très bien. Toi aussi, t'en prends. Donc, on peut le stun 95%. Dégâts protection. On peut le marquer 63% de succès. C'est bas, hein. Même le stun, c'est 58% de chance de toucher. Honnêtement, je préfère le marquer si c'est possible. On fera un peu plus de dégâts avec le chien. Oui, du coup, là, je peux pas toucher. On va faire ça. Ok, esquive, très bien. Ah, j'ai oublié l'eau bénite. J'ai oublié l'eau bénite. Ok, précision 15. Ouais, c'est pour ça que j'ai ramené les... hop, hop. Ça en fait des buffs, hein. Ça en fait des buffs. Donc, on fait quoi? Celui-là ou celui-là? Non, on va faire celui-là. Ouais, voilà. Wow! Wow, ok, let's go. Ah, il a pas aimé, hein. Ah oui, il fait des saignements, j'avais oublié. On pourrait le remarquer, hein, honnêtement, au lieu d'essayer de le stun. Très bien. Parce qu'il va, rejouer, ouais, il va rejouer très vite. Il a quand même dégâts plus 100% hein, quand il y a de la marque. Ah mais non, mais ça l'a pas marqué en fait. Ah mais non, mais j'ai... mais c'est pas la marque que je suis en train de faire. Putain, je suis désolé, je suis pas... Oh là là, esquive 20% plus. Enfin 20. Oh là là, quel débile. Ah oui, en plus c'est une horreur et une bête, c'est pour ça qu'on fait aussi mal. Ah mais quel con que je suis. C'est pas la marque. N'importe quoi. Aïe 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 aïe. Unnerved, unbalanced. Ah ouais, carrément. Ok. Ah, j'y crois pas, quoi. On va pouvoir un peu le couper. Ce serait bien qu'il reste devant un peu. Oh, t'es sérieux. Après, j'aurais peut-être dû le régène, en fait. Mais bon, on va se débrouiller. Ah, ça va. Death cannot be escaped. But it can be postponed. Ah, je suis dégoûté. Mais la précision, là, pourquoi je l'enlève pas? Faut que je me concentre au lieu de faire de la merde tout le temps. Ah oui, attends, je peux le double fury, là. Ouais. Ouais, 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 ouais. Voilà, c'est bon, on a gagné. Ah, c'est puissant, hein. Ah oui, double fury, c'est vrai, ah oui. Ça c'est pas mal, double fury sur le chien là, parce que 100% de dégâts pour les aurores. Non, c'est moins pour les aurores, désolé. Alors fais voir un peu ce qu'on a. Fatigue, robustesse, on s'en fout. Curiosité de corps vidé, ne peut résister à l'attrait des choses brillantes. Incompétence en médecine, putain, on a eu que des trucs mauvais.
C'est bien. On a eu que des choses mauvaises. C'est bien. C'est super. Let me share with you the terrible wonders I have come to know. Alors, c'est qui? C'est lui hein, qui a eu un truc horrible. La curiosité de corps vidé, ça, il faut le virer. Après, le reste, on s'en fout. Bah oui, j'ai fait des erreurs. C'était ça que je devais faire. C'est la marque, mais au final, le chien fait très mal. Ouais, 35% contre les bêtes de base. Aussi, pourquoi j'utilise le chien, c'est parce que... Bon, il a des traits. Très bonne chose, évidemment, des très bons attributs. Mais ça, en fait, ça donne précision 15. Donc, c'est extrêmement élevé, en fait. C'est extrêmement, extrêmement élevé. Et puis, 105 de base, c'est très bien. Donc, ouais, c'est pour ça que je fais ça. Mais ouais, le chien est très, très bon. 25% de dégâts, en plus. Ouais, double furie, c'était vachement bien. Bon bah ça s'est bien passé, Druel il a pas fait grand chose. Alors dégâts, 6 PV inférieur à 50%, ça c'est chiant, on va faire ça. Ben, je sais pas, notre épisode, combien de temps il va durer maintenant, peut-être que ça va être la dernière partie. De toute façon je voudrais refaire... je voudrais faire en sorte que notre Wissant soit prêt, parce que j'ai 4... Ah oui, j'ai récupéré encore d'autres invites, donc on a 4 invites, donc là je peux les enchaîner. Ah oui, l'objet qu'on a gagné aussi, je sais pas tout montré. On a gagné du coup, c'est pas ça, le corps vidé. C'est là. Vitesse 4. C'est pas... Vitesse 4, honnêtement, c'est pas parce que le plus important c'est 2. Après, c'est résistance, étourdissement et maladie 33% si fait noir quoi. Ouais. Après, c'est embêtant parce qu'il n'y a que celui-là qui est vachement bien, précision 10. Mais bon, stress 15%, c'est quand même beaucoup. Après, change de repérage, c'est vachement intéressant, je pense. Donc pour la nuit, en fait, avoir ça, ça peut être peut-être plus intéressant que genre la lanterne par contre, par exemple. Enfin, la lanterne est vachement bien de base, hein. C'est un des meilleurs objets, honnêtement. Mais si vous avez besoin de précision en plus, voilà, ça fait précision et repérage, en fait. Si vous faites des runs de nuit. Là, on a maladie saignement, et là, on a maladie étourdissement. Ouais, critique 7%, ouais, ça peut être pas mal. 7%, c'est élevé. Vitesse 4, je vois pas trop pourquoi on mettrait que vitesse 4, en fait. Bon, en tout cas, je vais m'arrêter là pour le petit combat. Je sais pas si ça sera la fin de l'épisode, parce que faudrait que j'additionne en fait toutes les... Au final, cet épisode, en fait, c'est plusieurs parties, donc c'est un peu la merde pour moi. Mais ouais, sinon, on fera un run de la cour, mais je pense que ça sera potentiellement la fin. Et après, on va faire des runs de cour. On va enchaîner des runs de cour. Mais d'abord, je voudrais que Wissant, en fait, soit prêt. Pour combattre, parce que je voudrais faire des runs avec les antiquaires et le chien et tout ça là. Honnêtement, c'est le plus facile, c'est la façon où on va le plus loin aussi dans les dans le run en fait, dans la cour, sans trop s'embêter en fait, sans trop chercher à se soigner et tout ça. Ok, à tout de suite ou à la prochaine, au prochain épisode, je sais pas. Ciao.